Dans le fond, on va f*** comme la dame. Non, tu me le fais. Oh my god. Ta gueule. Ah, si, va chier. Avoue que c'était ouais. Fucking bon, hein? Ouais. Tantôt, j'ai mis des petites mousses sur ton collet quand tu fais ça. Ta gueule. T'as plus ton truc qui est mal mis, un peu. Salut! Aujourd'hui, on va parler de nos peurs. Les peurs à Jayana, les peurs à moi, et peut-être les vôtres, parce qu'on parle de requins et on parle de bibitte. Comment? Roche, papier, ciseaux. Yes, c'est toi qui vas avoir peur. Oh my god, il est où, hein? C'est fou à quel point l'eau est trouble, hein? Oh! Hé! Je sais pas c'est quoi qui a pogné. As-tu pogné la jambe? As-tu pogné la jambe? C'est terrible. Je déteste quand tu rentres dans l'eau pis il y a quelque chose au loin. Pis là, c'est trop. Ça s'approche. Ok, still in the belly. Il est immense! Check ça! Il est immense! My goodness! Wow! Check l'œil! L'œil! Oh, il est à un mètre de ses pieds! Cauchemar! Mets tes pieds sur ta planche! C'est exactement la même vision que j'ai quand je suis dans une piscine publique. Une piscine publique, il n'y a pas de requins, Jayana. Non, ça, je suis pas la seule. Si je mets ma tête dans l'eau, je m'imagine que je suis dans la mer, puis c'est terminé, là, il y a des requins partout. C'était les attaques de requins. Alors, voici les bibites. Qu'elles soient petites, grosses ou moyennes, elles doivent toutes être exterminées. Ça, c'est à prendre avec une pincée de sel. Je ne veux pas qu'elles meurent, mais je veux seulement qu'elles ne soient pas dans mon champ de vision. Hey, non, elle peut pas monter sur... Imagine, elle tombe sur toi. Genre de même, puis là, elle se remet, puis elle bouge. Ah, si, gars, t'as vu, t'as peur. Oh my god, c'est bien terrible! Impossible! Tu peux pas, genre, la flush et tout. C'est genre l'outil ultime. Imagine, si ça arrive là, c'est que ça peut arriver aussi ici, là. Je vais checker la balle à chaque fois, je pense. Ah! Ah! Elle a des petites pinces! C'est quoi ça? C'est quoi? Mais elle a l'air quand même fine. Trouves-tu qu'elle ressemble vraiment à l'araignée dans Harry Potter? Oui. Ah! What the fuck? Moi, quand ils sortent de même, là... Oh mon Dieu, au ralenti! Jésus! Il monte dessus! Ah, j'enlève ma vidéo. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a le monde qui panique quand il y a une abeille proche d'eux, puis il y a le monde qui font juste comme rien faire, puis l'abeille passe. C'est parce que, tu sais, quand l'abeille, elle arrive, puis la tourne autour, puis elle... puis là, elle te pique. Mais t'as-tu vu son cul? On dirait un logo d'entreprise. En tout cas, là, le plus beau cul que j'ai vu de ma vie. Araignée cachée dans les couloirs! C'est une petite Cochrane. Cockroach. Ah non, j'ai pas dit Cochrane. Cochrane. Elle dit Cochrane. Elle dit Cockroach. Qui gagne? Elle a tué une tarentule. Mais... Tout le monde, ça veut dire croyez en vos rêves. Tout est possible.
C'est déjà la fin pour notre vidéo. J'espère que vous avez eu des petits frissons ou bien que vous avez été fascinés en fait de voir comment que les insectes sont juste incroyables. N'hésitez pas à aimer la vidéo, puis à vous abonner, puis à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. On se revoit dimanche prochain! Qu'est-ce que je suis? Je suis une araignée, oui!